Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, je vous entends. je vous entends aussi, c'est bien. Alors attendez, je dois ramener. Est-ce que vous voyez l'écran, le diaporama? Est-ce que vous voyez les deux théories des nombres, théorie descriptive? Ok, c'est parfait. Bien. Alors j'espère que c'est vacances confinées ont été bonnes pour vous, que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va reprendre aujourd'hui, bon, peut-être juste un petit mot sur deux choses que je dois vous dire avant de commencer, pardonnez-moi. Y a encore des retardataires qui arrivent. Voilà, je pense que là, on doit être bon. Donc, deux choses que je voulais vous dire. La première chose sur une éventuelle reprise des cours. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que moi, j'en sais rien, que les collègues avec qui j'ai échangé n'en savent rien pour l'instant. Donc, pour l'instant, nous, on ne sait rien de plus que les nouvelles du Conseil fédéral. Donc, les écoles rouvrent en principe le 11 mai. On ne sait pas ce qui se passe pour les universités. Il me semble assez probable que nous ne nous revoyons pas en chair et en os d'ici les examens, mais qui sait, peut-être que l'avenir sera un peu plus rose. Donc, a priori, on continue comme ça jusqu'aux examens. Ce qui m'amène à la question des examens. Donc, il y a eu pas mal d'échanges au sein de la faculté pour les examens. La solution que moi, je vais retenir pour ce cours, c'est la solution la plus proche de celle qu'on aurait fait d'ordinaire. Donc, ce que je vais essayer de mettre en place, et je vous préciserai ça dans une des séances qui vient, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est que vous ayez une série de questions qui soient débloquées à une certaine heure, le jour dit de l'examen, sur le Moodle. Vous avez le temps qui est important pour ceux d'entre vous qui font l'examen écrit. Hein, pour ceux qui font l'examen oral, évidemment, on le fait à l'oral par Skype ou par Zoom avec un juré, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, ce sont les examens écrits. Donc, pour les examens écrits, vous aurez une série de questions, soit sur ce cours, soit sur les deux cours, selon les modalités de votre examen, qui seront débloquées à une certaine heure sur Moodle. Vous aurez le temps imparti habituellement, en général 4 heures, pour répondre à ces questions. La seule chose que ça va changer un peu plus concrètement, je ne peux pas vous donner dans ces conditions-là des questions courtes qui sont strictement des questions de cours. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir accès aux documents. En tout cas, on ne peut pas contrôler que vous n'accédiez pas aux documents. Donc, les questions qui vous seront posées, que ce soit, en principe, je donne 6 questions courtes et 2 questions de réflexion, dans tous les cas, ce sera des questions qui seront auxquelles vous ne trouverez pas directement la réponse dans le PowerPoint. Donc, la règle, c'est qu'en principe, vous avez accès, tout le monde, aux documents. Vous avez le droit d'utiliser les différents documents du cours. Vous avez le droit d'utiliser vos notes. Et les questions que je vous poserai, ce sera par exemple des questions du type appliquer telle théorie à tel exemple. D'accord? Donnez-moi la structure grammaticale de telle phrase si on fait l'analyse comme on a fait au début avec la grammaire catégorielle ou qu'est-ce que Kripke dirait d'une phrase comme celle-ci, hein, des choses qui sont un peu des mises en pratique, des théories, des concepts, des distinctions ou des objections qu'on a vues. Je vous préciserai ça techniquement quand les choses se décantent un petit peu. Pour l'instant, on est encore un peu en train de cafouiller pour voir comment mettre ça en place techniquement, mais c'est la direction qu'on prend maintenant. Je vous propose que, c'était juste pour vous informer, on peut en parler quand les choses se précisent un peu, mais a priori, donc, les modalités de l'examen, c'est écrit via Moodle où vous avez 4 heures. Au bout de 4 heures, les questions, on vous demande de nous renvoyer les documents. Et avec des questions qui sont à peu près de même type que celles que l'on vous donne d'ordinaire, que je vous donne d'ordinaire. Pour ceux ou celles d'entre vous qui n'ont jamais fait d'examen avec moi, vous pouvez juste m'envoyer un email et je vous envoie volontiers des exemples d'examens qui ont été donnés les autres années pour que vous voyez de quoi ils retournent. Et la seule modification, ça sera que les questions courtes seront des questions qui ne seront pas directement des questions de cours, mais des questions un peu plus intelligentes de mise en pratique des concepts qui ont été proposés. Voilà pour les annonces. Alors, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous êtes horrifié? Ou est-ce qu'on peut reporter une des éventuelles discussions à la prochaine fois? Ou est-ce que déjà il y a des choses qui vous brûlent les lèvres à ce sujet? Bien, aucune lèvre ne brûle.
Alors, on va reprendre aujourd'hui avec notre ami Saul Kripke. J'ai conscience que c'est, je vais rafraîchir la mémoire, donc vous vous souvenez, la thèse, attendez, pourquoi, qu'est-ce que vous voyez, je vais peut-être vous remettre ça, je ne sais pas comment ça se passe. Vous vous souvenez que le grand livre, une série de conférences de Kripke, Naming and Necessity, c'est un livre sur ce que c'est que nommer et la nécessité. Les deux remarques que je vous ai faites là-dessus, c'est qu'on ne voit pas déjà à première vue quel est le rapport entre nommer et la nécessité. Nommer, c'est un phénomène linguistique, la nécessité, ça semble être quelque chose de métaphysique, ça on l'a déjà vu un peu, on va y revenir. Et la deuxième chose que qu'il ne faut pas se cacher, c'est que a priori, ce n'est pas un titre extrêmement attractif. Si on vient à la philosophie, en général, il y a des exceptions, mais ce n'est pas parce qu'on est obsédé par la question de savoir ce que c'est que nommer, peut-être la nécessité un peu plus, mais c'est déjà des concepts un peu abstraits. C'est néanmoins très important de comprendre en détail la théorie de Kripke, et c'est pour ça qu'on va y passer encore toute cette séance aujourd'hui, parce que ça fait partie des travaux avec la théorie des descriptions définies de Russell ou la théorie de Frege sur le sens et la référence qui ont une influence majeure sur toute la théorie, toute la philosophie analytique du XXe siècle qui continue à avoir une influence majeure aujourd'hui. Donc, on va reprendre du temps aujourd'hui pour discuter de Kripke et j'espère pouvoir terminer la présentation et la discussion de sa théorie pour passer à autre chose ensuite. Une fois que vous aurez bien en tête Frege, Russell, Kripke, vous avez en quelque sorte les trois piliers de la philosophie du langage et vous verrez qu'un des intérêts de cette théorie et en particulier de la théorie de Kripke, c'est qu'elle a une influence pas simplement en philosophie du langage mais en métaphysique. Vous verrez sans doute, vous verrez partout des références à Kripke. On a déjà vu, on a déjà fait appel nous à Kripke par ailleurs en philosophie de l'esprit, pour ceux qui ont suivi le cours d'introduction à la philosophie de l'esprit, où dans ce même livre Kripke développe des arguments contre le matérialisme à l'aide de sa théorie des noms. Donc c'est une théorie qu'on retrouve à beaucoup d'endroits. Donc même si elle n'est pas forcément très attrayante au départ, c'est important de bien la maîtriser parce qu'elle a eu une influence considérable et en réalité ses ramifications sont intéressantes sur des problèmes qui sont peut-être un peu plus tangibles que ces problèmes assez abstraits de nomination. Alors, comment fonctionne mon défilement ? Voilà. Vous vous souvenez que ce qu'on a fait pour introduire Kripke, c'est qu'on a un peu renvoyé dos à dos Russell et Frege. Je commence mon rappel. On a renvoyé dos à dos Russell et Frege. Ils ont tout un tas d'oppositions, Russell et Frege. Mais une des premières remarques pertinentes de Kripke, c'est de dire, vous avez beau ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, vous êtes d'accord sur une chose essentielle. Vous pensez que quand on utilise un nom du type Aristote, du type Platon, du type Donald Trump, ce nom atteint sa référence à travers une description. Comment vous savez ce à quoi réfère Donald Trump ? Vous avez tous en tête un certain nombre de caractéristiques qui vous permettent d'identifier l'individu en question. Le président des États-Unis en 2020. Il a les cheveux blonds, il a un parler qui est plus ou moins, qui est plutôt atypique pour un président des États-Unis, etc. Et on n'a pas forcément toutes les mêmes choses en tête. Si vous adorez Trump, vous allez dire « enfin quelqu'un qui a du franc-parler ». Si vous détestez Trump, vous allez dire « quel horrible langage j'entretiens ce président ». Mais dans tous les cas, même si nous n'avons pas forcément tous en tête la même description pour identifier Trump, l'idée de la théorie descriptive, c'est qu'on atteint Trump, l'individu Trump, Donald Trump, à partir du nom, à l'aide de descriptions. D'accord ? Donc Bertrand Russell va dire les descriptions sont synonymes au nom. En réalité, Donald Trump, ce n'est pas un nom, c'est une description définie. Et Frege va dire oui, Donald Trump, c'est un nom, mais il atteint sa référence via le sens. Le sens détermine la référence. Kripke arrive là-dedans un peu comme dans un jeu de quilles. Il a dit ouais, vous pensez en fait la même chose. Vous pensez tous les deux qu'on atteint Trump simplement en lui associant un certain nombre de descriptions ou en considérant que Trump, c'est synonyme à un nombre de descriptions. Eh bien, moi, je vous dis non, vous avez tort. Ce que je vais développer, c'est une suggestion qui avait été faite initialement par John Stuart Mill, qui est ce qu'on va appeler un peu plus tard, l'expression ne vient pas de Kripke, la théorie de la référence directe. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la référence directe ? En deux mots, c'est l'idée que les noms atteignent leur référence, non pas à l'aide d'un ensemble de descriptions ou de concepts, mais directement. Une fois que vous avez un nom, vous attrapez directement l'objet de ce nom. Vous pouvez faire ici un parallèle qui n'est pas complètement déplacé avec ce qui se passe
philosophie de la perception. On a fait allusion des fois, parfois en philosophie, pour ceux qui ont suivi le cours de philosophie de l'esprit, à deux théories de la perception, une théorie de la perception indirecte et une théorie de la perception directe. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la perception indirecte? C'est une théorie qu'a défendue notamment Bertrand Russell dans les problèmes de philosophie, qui dit ce que nous percevons, ce ne sont pas directement les objets extérieurs, ce sont des images dans notre esprit des objets extérieurs. Et à travers ces images, nous pouvons nous faire une idée des objets qui sont à l'extérieur. D'accord ? La théorie du voile des idées, c'est aussi la théorie de Locke, c'est aussi la théorie de Descartes, et qui est un peu remise au goût du jour et modifiée par Russell. L'analogie, c'est même chose pour les noms. Les noms, ils n'attrapent pas directement leur référent, ils sont associés à des concepts, okay, et on atteint Donald Trump ou le référent des noms en voyant qu'est-ce qui correspond à ces concepts. Quand je vois la table, je ne vois pas directement la table, je vois un ensemble de couleurs, de formes qui sont dans ma tête, mais j'atteins la table en me disant c'est l'objet qui a ces différentes formes et ces différentes couleurs. Ça, c'est la théorie de Russell de la perception, et c'est une théorie qu'il a, qu'il applique de la même façon à la référence linguistique. Les partisans de la référence directe, à l'inverse, comme Kripke, eux pensent que quand vous voyez la table, vous voyez directement la table. Ce n'est pas que vous voyez d'abord des propriétés dans votre... Enfin, des propriétés, c'est une autre question. Ce n'est pas que vous voyez des images de la table dans votre tête et qu'à partir de là, vous inférez qu'il y a une table ou que vous vous dites la table, c'est ce qui correspond à cette image. Non, vous voyez directement la table. Ça, c'est la théorie de la perception directe. Et en gros, Kripke dit la même chose pour la référence. Ça, on est dans le linguistique maintenant, dans l'utilisation du langage. Quand on utilise un nom, je ne fais pas appel plus ou moins tacitement à un ensemble de concepts psychologiques pour attraper le référent du nom. Les noms attrapent directement le référent. Alors ça, c'est la grande idée de Kripke. J'avance un peu parce que je ne vais pas trop m'étaler dans mon rappel, mais je vous laisserai la possibilité de poser des questions dans un instant. Et vous vous souvenez qu'on avait étudié ça en détail la dernière fois. Kripke reconstruit la théorie descriptive des noms, donc la théorie de Russell Frege, en disant au fond, c'est une théorie qui soutient 6 thèses. Et moi, je les fais toutes sauf la première. Les 6 thèses, je vous les redis parce que ça va structurer la discussion. Première thèse de la théorie de Frege-Russell, à chaque nom que vous employez, Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron, pourquoi on pense qu'il y a des philosophes, on donne des noms, des pensons à des scientifiques, il y a des philosophes, John Locke, Bolzano, tout ce que vous voulez, tous les noms de personnes que vous connaissez, de footballeurs, à chaque nom, vous associez un ensemble de propriétés, et quand vous utilisez ce nom, vous croyez que ces propriétés sont exemplifiées, sont possédées par la personne auquel ce nom réfère. Donc, si vous dites Cristiano Ronaldo, vous pensez que vous associez à ce nom-là un certain nombre de propriétés, être un très bon footballeur, et vous pensez que la personne à laquelle réfère ce nom, elle a cette propriété d'être un très bon footballeur. Première thèse, là-dessus, Kripke n'a rien à dire. Deuxième élément de la théorie descriptive, un sous-groupe des propriétés que vous associez à Cristiano Ronaldo sont considérés par vous comme identifiant un individu unique. Donc, vous pensez, quand vous dites Cristiano Ronaldo, qu'il y a un certain nombre de propriétés qui sont identifiées uniquement par Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas, celui qui a marqué le but telle année en finale de tel championnat. Moi, je suis très mauvais pour ça. Voilà. Donc, il a marqué le but qui a permis au Portugal d'arriver en finale en 2000. Ouais, je ne sais plus. Et ça, il n'y en a qu'un qui a marqué ce but, qui a permis au Portugal d'arriver en finale. Ça, c'est la deuxième thèse de la théorie descriptive. Non seulement vous associez des propriétés, chaque nom, mais vous pensez que ces propriétés ne sont satisfaites que par un individu. Et là, évidemment, ça doit vous faire tilt. C'est exactement la théorie de Russell des descriptions des finalistes. Troisième élément constitutif de la théorie descriptive, si les propriétés que vous associez à Cristiano Ronaldo sont exemplifiées par une seule personne, alors cette personne, c'est Cristiano Ronaldo. C'est la référence de votre expression, de votre nom, Cristiano Ronaldo. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quatrième élément de la théorie descriptive, si aucun objet n'identifie ses propriétés que vous associez à Cristiano Ronaldo, si vous pensez que Cristiano Ronaldo, c'est celui qui a marqué le but qui a permis au Portugal d'aller en demi-finale en 2016,
et qu'il n'y a personne qui a marqué ce but parce que le Portugal n'a pas été en demi-finale. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous voyez toujours mon... vous voyez toujours le PowerPoint? Oui. Merci. Oui. Si le Portugal, si personne en fait n'a marqué ce but parce que le Portugal n'a pas été en demi-finale, alors le nom Cristiano Ronaldo ne réfère pas. Cinquièmement, et les points 5 et 6, dans un certain sens, c'est les plus importants, c'est ceux qui ont le plus d'enjeux. Et c'est ceux qui sont le plus douteux dès que vous les exposez. Donc, si vous admettez la théorie descriptive, vous devez admettre la chose suivante. Si Cristiano Ronaldo existe, alors Cristiano Ronaldo a la plupart des propriétés correspondant au nom Cristiano Ronaldo. Ça, c'est connu de manière a priori par le locuteur. Pourquoi est-ce que c'est le cas? L'idée, c'est comment est-ce que vous référez à Cristiano Ronaldo? Qui c'est pour vous Cristiano Ronaldo? C'est le footballeur qui a inscrit le but de telle année. Puisque ça, ça fait partie de la signification du nom Cristiano Ronaldo, vous ne pouvez pas apprendre que c'est Ronaldo qui a inscrit le but cette année. C'est ce que ça veut dire, être Cristiano Ronaldo. C'est être cette personne qui a inscrit le but en 2016. Donc, à partir du moment où vous utilisez le nom Cristiano Ronaldo, vous devez savoir ça de manière a priori. On ne peut pas vous l'apprendre. Le dernier élément de la théorie descriptive, c'est que l'énoncé selon lequel Cristiano Ronaldo est celui qui a inscrit le but en 2016, et l'unique personne qui a inscrit le but en 2016, eh ben c'est forcément pour vous une vérité nécessaire. Pourquoi c'est une vérité nécessaire? Parce que ça fait partie de ce que ça veut dire que d'être Cristiano Ronaldo, d'après vous. D'accord? Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un soit Cristiano Ronaldo sans qu'il ait inscrit ce but. Ça n'est pas Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est la théorie descriptive telle qu'elle est résumée par Kripke. Alors maintenant, je repasse vite. Je vais peut-être rester là en fait. Vous vous souvenez maintenant que Kripke accepte la première de ses thèses. Il refuse la seconde. On a vu pourquoi la dernière fois. Ce n'est pas le cas qu'à chaque fois que vous pensez à un individu, vous avez en tête un certain nombre de propriétés qui l'identifient comme un individu. Cristiano Ronaldo, si vous n'êtes pas fan de foot, vous pouvez savoir que c'est un footballeur, mais vous pouvez ne pas savoir ce qui différencie Cristiano Ronaldo de Lionel Messi. Vous pouvez dire, ouais, c'est deux footballeurs, mais moi, j'en sais pas beaucoup plus. C'est mes copains qui regardent le foot, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est une situation dans laquelle on est souvent. Je vous avais donné d'autres exemples de Buffon et d'Aubenton. Vous pouvez savoir que c'est deux naturalistes du XVIIIe siècle, mais rien de plus. Donc, ce n'est pas le cas qu'à chaque fois que vous utilisez un nom, dit Kripke, vous associez à ce nom un certain nombre de propriétés qui ne sont satisfaites que par un individu. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Kripke rejette le deuxième élément de la théorie descriptive. Ce n'est pas le cas que, dit Kripke, contre le troisième élément de la théorie descriptive, que si la plupart des propriétés qui sont exemplifiées par un objet unique, que si la plupart des propriétés que vous associez à un nom sont exemplifiées par un objet unique, alors cet objet unique, c'est le référent de X. Supposez que vous croyez à tort que Cristiano Ronaldo ait marqué le but en finale de Coupe du Monde qui a permis au Portugal de gagner la Coupe du Monde en 2016. Ce n'est pas le cas. Le Portugal n'a pas gagné la Coupe du Monde. Cristiano n'a pas marqué le but. Mais il y a bien quelqu'un qui a marqué ce but-là auquel vous pensez. Dans ce cas-là, dit Kripke, quand vous employez le nom Cristiano Ronaldo, vous ne pensez pas à la personne qui a inscrit ce but, comme le voudrait la clause numéro 3, mais vous pensez bien toujours à Cristiano Ronaldo. D'accord ? L'exemple que j'avais donné était peut-être un peu plus clair. L'exemple que je vous avais donné, donc c'est les erreurs d'identification. Nous croyons tous que Aristote est le meilleur élève de Platon, qu'il est l'auteur de l'éthique à Nicomaque, mais supposons que ce ne soit pas le cas. Peut-être qu'en réalité, c'est même pas supposé, c'est imaginons qu'en fait, on se soit trompé, qu'il y ait une grosse erreur des historiens, que le meilleur élève de Platon, c'était quelqu'un qui s'appelait Xénocrate, qui était effectivement un élève de Platon, et qu'en plus, c'était lui qui avait écrit l'éthique à Nicomaque. La métaphysique, le reste, c'était Aristote, mais l'éthique à Nicomaque, c'était Xénocrate qui a écrit ça. Si la description que vous associez au nom Aristote, c'est le meilleur élève de Platon et l'auteur de l'éthique à Nicomaque, eh bien, d'après la théorie descriptive, à chaque fois que vous parlez d'Aristote,
en réalité, vous dites la théorie descriptive, vous êtes en train de parler de Xénocrate, parce que c'est Xénocrate, en fait, le meilleur élève de Platon, et c'est en fait Xénocrate, l'auteur de l'éthique à Nicomaque. Kripke dit, mais enfin, c'est complètement absurde. C'est pas du tout ce qu'il faut dire dans un cas pareil. Ce qu'il faut dire dans un cas pareil, c'est que quand vous utilisez Aristote, vous continuez bien à parler d'Aristote, mais vous vous trompez au sujet d'Aristote. Vous avez cru à tort que Aristote était le meilleur élève de Platon et qu'il était l'auteur de l'éthique à Nicomaque. D'accord ? Donc, que les descriptions que vous associez au nom d'Aristote sont erronées et non pas que le nom d'Aristote parle de quelqu'un d'autre qu'Aristote, Xénocrate. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Kripke rejette 3. 4. Il n'y a pas d'objet unique qui exemplifie les propriétés que vous associez. S'il n'y a pas d'objet unique qui exemplifie les propriétés que vous associez à un nom, alors ce nom n'en réfère pas. Vous vous souvenez de l'exemple que donne Kripke, Jonas, dans l'Ancien Testament. On l'associe à tout un tas d'histoires abracadabrantes. Il a été avalé par un gros poisson, recraché, il a débarqué sur une île, etc. C'est certain qu'aucun individu n'a exemplifié ses propriétés, et pourtant les historiens s'accordent à penser que Jonas est un individu qui a existé historiquement. Cinquième élément, excusez-moi, je passe vite parce que tout ça est un rappel. Cinquième élément, la théorie descriptive nous dit que si X existe, alors X a la plupart des propriétés correspondant à X, tout ça c'est quelque chose que vous connaissez de manière a priori. Là, Gödel donne un certain nombre d'exemples. Voilà un certain nombre de descriptions au sujet, par exemple, de Kurt Gödel. C'est lui qui a prouvé l'incomplétude de l'arithmétique en 1931. Ça, vous ne le savez pas de manière a priori. Wilfredo Pareto est l'économiste qui a introduit les courbes d'indifférence. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait de manière a priori. Daubenton fut le premier directeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on sait de manière a priori. Donc, il y a un grand nombre de connaissances qu'on peut avoir de manière a posteriori des propriétés des référents des mots. Et puis le dernier élément de la théorie de descriptive, dernière objection de Kripke au dernier élément de la théorie descriptive, pardon, l'énoncé si X existe, alors X a la plupart des propriétés qui correspondent à X, ça ce serait une vérité nécessaire si on admettait la théorie descriptive. Or, vu Kripke, ce n'est pas du tout une vérité nécessaire. Un autre exemple que j'ai pris avec vous, c'est Daniel Schultes. Daniel Schultes, c'est un nom propre. Si on admet la théorie descriptive, on pense que la manière dont on atteint le référent du nom Daniel Schultes, c'est en pensant au vice-recteur ou au professeur émérite de philosophie. Mais en réalité, dit Kripke, il fait tout à fait sens de se dire que Daniel Schultes aurait pu mourir à 2 ans. Daniel Schultes, le nom aurait toujours référé à la même personne, et pourtant cette personne n'aurait jamais été vice-recteur, professeur émérite ou inventeur des vélos jaunes. D'accord ? Donc, tous les noms, toutes les descriptions que vous associez à un nom, la large majorité d'entre elles semblent être complètement contingentes. D'accord, vous pouvez toujours vous dire, Cristiano Ronaldo aurait pu ne pas être celui qui a marqué le but en 2016. Daubenton aurait pu ne pas être directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, etc., etc. Or, si vous admettez la théorie descriptive, vous devez admettre que toutes ces vérités sont des vérités nécessaires. Ok, ça c'est les objections. Ce sont les objections rappelées rapidement de Kripke à la théorie descriptive de Frege-Russell. Est-ce que vous avez des questions sur ce rappel un peu long mais rapide néanmoins? Oui, j'aurais une question à propos de la thèse numéro 1. Oui. Kripke dit un peu plus loin qu'il ne la conteste pas parce que c'est une définition dans le livre. Ouais. Il dit j'accepte un parce que c'est une définition, donc il n'y a rien à contester. Mais c'est la définition de quoi, selon Kripke? Ouais. C'est une bonne question. Je me suis demandé aussi quand il dit ça. Moi, j'avais l'impression qu'on l'acceptait plutôt parce que c'était un fait contingent. Quand on dit à chaque nom correspond un groupe de propriétés dont le locuteur croit qu'elles sont acceptées par la référence, qu'elles sont exemplifiées par la référence de X, c'est ce qu'on fait nous avec tous les noms. Je n'ai pas compris non plus, donc ma réponse c'est je ne sais pas. Il me semble que la raison pour laquelle on ne conteste pas cette thèse 1, c'est que c'est juste une thèse vraiment très faible. À chaque fois que vous utilisez un nom,
Vous avez au moins certaines propriétés en tête qui correspondent à ce nom. Et ça peut être des propriétés très vagues. Hein. La raison pour laquelle ça marche à chaque fois, c'est que vous pouvez dire ce nom-là, c'est le nom d'une personne ou c'est le nom d'un objet. Quand vous dites c'est une personne ou c'est un objet, c'est déjà attribuer une propriété à la personne, au référent du nom en question. Donc moi, c'est la raison pour laquelle il me semble que ce n'est pas une thèse qui devrait être controversée. Et je ne sais pas pourquoi Kripke parle de définition ici. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a automatiquement au moins une propriété à laquelle on pense quand on évoque un nom ? Pas forcément que vous y pensiez actuellement, c'est que vous l'ayez à l'esprit quand vous utilisez le nom, mais si on vous pose des questions, vous avez des croyances au sujet du référent du nom qui inclut le fait qu'il ait certaines propriétés. Essayez de penser à un nom de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous n'associez aucune propriété, y compris des propriétés très génériques comme être une chose, être un événement, être un objet. Difficile, hein ? Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une thèse qui semble très un peu inoffensive, quoi. Autre question ? Non ? Alors ? Oui, j'en aurais une. Oui. C'est par rapport à la 4. C'est Colin qui parle, pardon. Ah, pardon, je ne vois pas directement. Oui, allez-y, Colin. C'est par rapport à la 4, je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire par « s'il n'y a pas d'objet unique exemplifiant ses propriétés, X ne réfère pas », dans le sens qu'il nous dit d'un côté, il y a le Jonas raconté par la Bible et de l'autre, le Jonas historique. Mm-hmm. Mais je ne comprends pas pourquoi il oppose les deux. Peut-être l'exemple est controversé parce qu'il y a la foi qui intervient là-dedans, mais si on prend un personnage de fiction qui aurait existé réellement et qu'on lui attribue des propriétés plus grandes, par exemple Rodrigue ou comme ça, uh-huh. Je ne vois pas en quoi ça se contredit. Que, voilà, il a combattu en 1 contre 300, il n'est pas mort, ou alors en fait c'était juste quelqu'un dans l'armée chrétienne en Espagne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en fait de cette différence ? Donc, il s'agit de nier un conditionnel, d'accord ? Donc, c'est s'il n'est pas le cas qu'un objet a les propriétés qu'on associe au nom, alors le nom ne réfère pas, d'accord ? C'est juste le conditionnel que nie Kripke. Kripke ne nie pas qu'il y a des noms qui ne réfèrent pas. On va y revenir un peu plus loin tout à l'heure. Hein. Il accepte qu'il y ait des noms d'entités fictives qui n'aient pas de référence. Ok ? La raison pour laquelle il s'appuie sur cet exemple de Jonas, c'est justement que la manière dont nous on pense ordinairement à Jonas quand on en a entendu parler, c'est juste en lui associant un certain nombre de ses propriétés qui sont dans le récit de l'Ancien Testament. Aucun individu n'a satisfait ses propriétés, okay ? Donc la prémisse, l'antécédent du conditionnel est satisfait, il n'y a pas d'objet unique qui exemplifie ses propriétés, et pourtant, dit Kripke, le nom en question réfère bien, il réfère à un individu historique qui n'a pas été mangé par un gros poisson, etc. Et c'est pour ça que ça c'est une... Si vous voulez nier un conditionnel, il faut que vous montriez que l'antécédent est satisfait, mais que le conséquent n'est pas satisfait. Est-ce que j'ai été clair, Colin, ou pas trop ? Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais de nouveau, c'est comme si à la place de dire Jonas historique, on disait Jonas mon copain de classe, parce que ça, on ne parle pas de la même personne. D'un côté, on parle de quelqu'un qui a fait des choses miraculeuses, et de l'autre, on parle d'un Jonas historique dont les historiens parlent, mais c'est pas le même. Enfin, ça pourrait, mais je vois pas ce qui fait que c'est le même. Alors, c'est intéressant. L'hypothèse que fait Kripke, c'est que c'est le même. Okay, c'est la même personne à qui on a associé des mauvaises descriptions dans l'Ancien Testament, mais il y avait bien une personne historique. Okay, et ça, c'est quelque chose qui se passe assez souvent quand on lit, surtout l'Ancien Testament, mais il y a les mêmes débats sur la Bible. C'est des discussions à n'en pas finir pour savoir Jésus, qui c'était comme personnage historique. Moi, je ne crois pas qu'il a ressuscité, mais je pense qu'il a existé. C'est ce que disent un certain nombre d'historiens. Ils ne sont pas d'accord avec, évidemment, les théologiens. Donc, dans tout ce genre de débat, il y a l'hypothèse qu'on est d'accord sur le fait qu'on parle du même personnage, mais qu'on peut discuter de la question de savoir si ce personnage a ou non certaines propriétés. Okay. Alors, peut-être, je vois ce que vous voulez dire. La seule réponse, donc, ce que vous voulez dire, c'est peut-être, en fait, ce n'est pas le même Jonas.
La réponse de Kripke, c'est juste un peu une hypothèse de lecture, de dire, bah oui, on fait, moi, je pense que c'est le même Jonas. Et dans ce cas-là, on parle bien de la même personne. On s'est complètement trompé au sujet d'une personne, mais ça voulait pas dire, ça ne veut pas dire qu'on ne parlait pas de cette personne. Hein, c'est ça la possibilité qui intéresse Kripke. Vous pouvez vous méprendre totalement au sujet de quelqu'un et néanmoins parler de cette personne. J'ai du mal à vous en dire beaucoup plus là. Votre silence me laisse penser que je ne vous ai pas convaincu, mais. Oui, enfin, c'est juste parce que j'avais l'impression que je me suis mal exprimé, pas qu'on parle de deux personnes, mais qu'on parle une fois d'une personne avec les lunettes de la science positive, l'histoire, et une fois avec les lunettes du témoignage rapporté par l'Ancien Testament. Et donc, j'ai l'impression que, bien que ce soit la même personne, je suis d'accord avec lui, c'est normal qu'il n'y ait pas qu'on ait l'impression que ce soit deux personnes parce qu'on a des lunettes différentes. Les lunettes de l'histoire interdisent qu'on accepte ces choses invraisemblables. Oui, alors le fait de parler de lunettes, ça rappelle un peu Frege ici. Lui, ce qui l'intéresse dans cet exemple, c'est est-ce que c'est le cas ? Donc, pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple-là ? Il espère que c'est un exemple qui n'est pas trop controversé. C'est-à-dire que, y compris les croyants, ceux qui prennent le plus au sérieux possible l'Ancien Testament, rares sont ceux qui vont dire « il a vraiment été avalé par un gros poisson et recraché sur une plage ». Donc, en général, on accepte que c'est un récit à ne pas prendre au pied de la lettre, que ce n'est pas quelque chose à prendre littéralement, mais que c'est une forme de peut-être mythologie, le terme est sans doute trop fort et peut-être dévoyé, mais quelque chose qui ne s'est pas réellement passé. D'accord ? À l'inverse, le fait que Jonas ait réellement existé, ça c'est quelque chose qui est néanmoins accepté par les historiens. Donc c'est pas juste, vous, dans votre suggestion, Colin, vous avez l'air de dire il y a les lunettes de l'historien et puis il y a les lunettes de peut-être du théologien ou du théiste qui prend l'Ancien Testament au sérieux, mais l'idée de Kripke c'est plutôt non, en fait ces lunettes là personne ne les porte vraiment, personne lit vraiment littéralement ce récit là donc on associe des descriptions à ces noms là sans nous-mêmes penser que ces propriétés étaient exemplifiées par la personne en question. Ah, d'accord, j'ai compris, merci. Bien, alors peut-être que ces choses, j'espère, vont s'éclairer maintenant à mesure qu'on va rentrer dans la théorie de de Kripke proprement dite. Excusez-moi, je cherche comment afficher. Mais... Alors, que va dire Kripke ? Ça, c'est ce dont il ne veut pas. De quoi veut-il ? Sa grande idée, qu'on a vu la dernière fois, ce sont les désignateurs rigides. Qu'est-ce que c'est qu'un désignateur rigide ? C'est un nom qui désigne le même objet, la même chose, la même personne, le même événement, la même espèce naturelle. Si vous dites « eau », pour Frege, « E-A-U », c'est un nom d'espèce naturelle. Or, cuivre, tout ça, ce sont des noms d'espèces naturelles. Éléphant. Les noms, donc quel que soit ce qu'ils nomment, des espèces, des individus, des personnes, des événements, etc., un nom, c'est quelque chose qui désigne la même chose dans tous les mondes possibles. Okay. Monde possible, pour l'instant, on a discuté un peu de ça la dernière fois. C'est juste, prenez un peu la chose naturellement, si on peut prendre ça naturellement. Vous imaginez des mondes parallèles. Ceux qui sont proches du nôtre, ils sont vraiment presque comme le nôtre, et ceux qui sont loin, ils sont de plus en plus éloignés du nôtre. Donc, dans le monde juste à côté de nous, on est tous là en train de suivre un cours d'introduction à la philosophie, sauf que je parle en verlan. Voilà, ça c'est un monde possible. Okay, et puis il y a des mondes possibles encore plus loin. Où ce n'est pas les mêmes personnes qui sont là, où elles font des choses complètement bizarres, où les lois de la nature sont distinctes. C'est juste des mondes imaginaires, dites-vous ça. Hein. L'idée, c'est que dans le monde possible où je donne ce cours en verlan, le nom Olivier Massin, il continue à me désigner moi. D'accord ? Il désigne la même personne. Et dans tous les mondes possibles, le Olivier Massin, tel que nous on l'emploie depuis notre monde possible, désigne moi-même. Par contre, le professeur, l'enseignant du cours de philosophie du langage en 2020 à Neuchâtel, ça désigne pas toujours
moi. Ça ne désigne pas toujours Olivier Massin. Il y a un monde possible où l'enseignant de philosophie du langage, c'est Donald Trump. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Ça aurait sans doute été plus rigolo. Et il y a d'autres mondes possibles où les enseignants de philosophie du langage sont... Donc, l'enseignant de philosophie du langage, en 2020, ça, c'est une description définie. Ce que Olivier Massin et le nom Olivier Massin et l'expression l'enseignant de philosophie du langage ont en commun, c'est dans notre monde de n'attraper qu'une seule personne. Okay ? Ça, c'est ce qui fait que ce sont des expressions référentielles. Elles pointent vers une et une seule personne. Mais des Kripke, ce qui les distingue, c'est que Olivier Massin, ça continue à référer à la même personne dans tous les mondes possibles, tandis que l'enseignant de philosophie du langage, eh ben, il y a certains mondes possibles où ça réfère plus du tout à la même personne. À savoir Olivier Massin. Ok, donc pour varier les exemples, Aristote, c'est un nom, ok, ça réfère, dans le monde actuel, ça réfère à notre Aristote, notre bien-aimé good old Aristotle, mais dans tous les mondes possibles, ça continue à référer, j'arrive tout de suite Grégoire, ça continue à référer à Aristote dans tous les mondes possibles. En revanche, l'expression « le meilleur élève de Platon », qui est une description définie, eh bien, il y a des mondes possibles dans lesquels le meilleur élève de Platon ne réfère pas à Aristote, mais à Xénocrate, comme la possibilité que j'ai évoquée tout à l'heure. Grégoire et ensuite Lucas. Oui, alors ma question, moi, c'est, j'ai bien compris... Si on dit Olivier Massin, dans n'importe quel monde, il référera toujours à la même personne. Mais dans notre monde, Olivier Massin est professeur de philosophie. Mais dans un autre monde, Olivier Massin n'est pas nécessairement professeur de philosophie. Exactement. Être professeur de philosophie. Okay. De philosophie, c'est une description. Être le professeur de philosophie, de philo général à Neuchâtel en 2020, ça, c'est une description définie. D'accord, ok. Je comprends. Merci. C'est pour ça que si vous dites Olivier Massin est le professeur de philosophie à Neuchâtel en 2020, ça, c'est une vérité contingente pour Kripke. On va y revenir dans un instant, mais ça aurait pu ne pas être le cas. C'est le cas aujourd'hui, c'est vrai. Mais vous auriez pu avoir Donald Trump, vous auriez pu avoir... tout un tas d'autres personnes. D'accord. J'avais une main qui s'est levée, c'était Lucas. Oui, moi j'ai une question. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas forcément bien compris cette notion, mais je trouve que c'est assez tiré par les cheveux, dans le sens où si on imagine un monde possible où vous, Olivier Massin, avez toutes les mêmes qualités que maintenant, sauf que vous ne vous appelez pas Olivier Massin, mais Lucas Gilet, admettons. Je ne comprends pas comment Olivier Massin peut... Comment le pont peut être fait entre ces deux mondes, parce que vraisemblablement, vous êtes la même personne, mais vous n'avez juste pas le même nom. Alors, merci. C'est une bonne objection qui permet de lever un malentendu sur la thèse de Kripke. Peut-être qu'il y a un monde possible dans lequel moi, on m'appelle... On m'appelle Donald Trump. Okay. Après tout, ça aurait pu arriver. On a décidé de me baptiser comme ça, ou j'ai demandé à changer de nom. Un monde possible dans lequel on m'appelle Donald Trump. Okay. Et ça semble être une objection à l'idée que le nom Olivier Massin réfère toujours à moi. Pardon pour l'exemple égocentrique. Alors, qu'est-ce que Kripke répond à ça ? Kripke répond à ça la chose suivante. Le nom... il est un désignateur rigide, on le prend tel qu'il est utilisé depuis un monde possible. Donc, dans notre monde à nous, Olivier Massin, ça réfère à moi. Okay. Il peut bien y avoir un monde dans lequel les autres personnes de ce monde appellent Olivier Massin Donald Trump. Okay. Donc, imaginez un monde lointain où lequel tout le monde m'appelle Donald Trump. Il n'en reste pas moins que nous, depuis notre monde, quand on parle d'Olivier Massin, on réfère toujours à moi dans cet autre monde. Moi, cette personne que les autres appellent Donald Trump. D'accord ? Donc quand nous, c'est-à-dire vous, Lucas, les personnes qui sommes ici dans le monde actuel, utilisons le nom Olivier Massin, on réfère toujours à Olivier Massin dans tous les mondes. Ça n'empêche pas, ça c'est compatible avec le fait que dans les autres mondes, d'autres personnes me donnent d'autres noms.
D'accord. Mais nous, la communauté de locuteurs du monde actuel, qui utilisons Olivier Massin pour désigner une et une seule personne, eh ben, quand on utilise Olivier Massin, on attrape forcément Olivier Massin, non seulement dans ce monde, mais dans tous les mondes possibles. Vous ne vous mettez pas à m'appeler Donald Trump dans un autre monde. C'est important. On a une belle musique qui vient de... Je suis désolé si mon téléphone fixe, mais je ne vais pas répondre. très bien. Alors, voilà. Attendez, je peux peut-être vous... Alors, nous avons une question de Charles et Charles Albert. Allez-y. Charles, pour commencer. C'était la même question que la précédente. À propos de la différente prononciation où Aristote, entre guillemets, ne s'écrit pas Aristote comme ça chez les Grecs. Oui, exactement. Donc, il y a Aristote, nous, on a l'impression que c'est un nom simple, mais évidemment, les Grecs l'écrivaient pas pareil, le prononçaient pas pareil. Donc, c'est important. Et vous allez voir, quand on va voir le contenu de la théorie maintenant, c'est les noms tels que nous, on les utilise. D'accord ? On est une communauté de locuteurs où on s'entend pour utiliser un nom. On utilise Alexandre pour parler de Alexandre du commun dans la classe. Okay, il y en a plein d'Alexandre. Mais nous, là, les 17 qui sommes réunis maintenant, si je dis Alexandre, on sait tous de qui je parle. Ce nom-là, tel que nous, on l'utilise, maintenant, dans tous les mondes, on va attraper le même Alexandre dans tous les mondes possibles. Si je dis maintenant, imaginez la classe où je parle en verlan, le monde possible dans lequel ce cours est donné en verlan, Alexandre est très étonné. Eh ben, c'est clair que Alexandre, ici, ça réfère toujours au même Alexandre qui est avec nous maintenant, mais simplement dans cette situation bizarre. D'accord ? Charles Rodondi, vous avez une question ? Oui, c'était par rapport à la réponse que vous avez donnée à Luca. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Ok, parfait. Parce que vous avez dit que les noms propres, ils attraperont toujours les gens qui désignent dans peu importe le monde possible, mais les descriptions qu'on peut donner, elles attraperont. Enfin, j'ai l'impression qu'elles peuvent aussi attraper dans tous les mondes possibles. Si on parle du professeur ordinaire de philosophie à Neuchâtel, peu importe les mondes possibles, on semble attraper en tout cas une personne. Elle changera peut-être, mais on attrapera toujours la même personne. Mais elle changera. Vous attraperez toujours un professeur, ça c'est la bonne nouvelle, mais ce ne sera pas forcément le même professeur. D'accord ? Il me semble que la réponse à votre question, elle est dans la question que vous venez de poser. Avec le nom Olivier Massin, la personne ne peut pas changer. D'accord ? Tant que c'est moi qui suis professeur de philosophie dans un monde possible, vous êtes sûr de ne pas avoir quelqu'un d'autre. Tant mieux ou tant pis pour vous. Par contre, tant que vous savez que vous avez un professeur de philosophie dans un monde possible, vous ne savez pas qui c'est. D'accord ? Ça peut être moi, ça peut être Donald Trump, ça peut être plein d'autres personnes. Hein, c'est ça la différence entre la description définie, le professeur de philosophie et le nom propre Olivier Massin. Dans la description définie, elle attrape toujours quelque chose, mais pas toujours la même chose. Vous voyez ? Lucas et puis Fanny. Mais j'ai juste l'impression que l'objection de Kripke, elle se base quand même sur une hypothèse assez fallacieuse selon laquelle il est possible qu'il y ait deux mêmes personnes dans deux mondes possibles. C'est quand même assez difficilement acceptable. Alors, on va y revenir là-dessus. Je décale légèrement ma réponse, mais pour vous répondre rapidement, vous avez raison. Une des conséquences de la thèse de Kripke, c'est qu'il y a une identité des individus à travers les mondes. D'accord ? Donc, vous, Lucas, vous existez dans plusieurs mondes. Vous existez dans notre monde à nous maintenant. Mais maintenant, si je dis Lucas aurait pu être chanteur de rock. Peut-être vous l'êtes, j'ai besoin d'un truc où je suis sûr que vous ne l'êtes pas. Lucas aurait pu être danseuse aquatique. Vous ne faites pas de danse aquatique, Lucas, rassurez-moi. Non, j'ai arrêté. Donc, je vais arrêter. Lucas aurait pu faire de la danse aquatique. Quand je dis ça, d'après Kripke, je parle toujours de vous. Hein. L'idée des mondes possibles, ça a l'air d'être une invention baroque de philosophe, et dans un certain sens, ça l'est. Mais au fond, c'est juste pour rendre compte de ces énoncés contrefactuels
où on dit d'une personne qu'elle aurait pu être ou pu faire quelque chose. Lucas aurait pu faire de la natation synchronisée. Quand je dis ça, pour Kripke, je parle de vous. Okay. Et je parle de vous dans un monde où vous faites de la... de quoi je parle ? Ben, j'imagine qu'il y a un monde dans lequel vous êtes en train de faire de la natation synchronisée. C'est bien vous et pas un double de vous ou une contrepartie de vous, comme le dirait David Lewis. On va revenir sur cette question un petit peu plus tard aujourd'hui, si on y arrive. Fanny. Ok, merci. Oui, c'était une question que j'avais déjà la fois d'avant. Si vous parliez avant de Alexandre dans la classe, s'il y a deux personnes qui s'appellent Alexandre du commun, c'est peut-être bizarre, mais je pense que ça peut exister. Il me semble qu'on va essayer du coup de les différencier justement par une description en disant celui qui fait de la danse aquatique ou celui oui. qui a les cheveux blonds. Enfin, on va utiliser ça pour les distinguer, il me semble, même s'ils ont le même nom. Oui, merci pour votre question. Pour tout vous dire, j'ai cherché un peu la réponse, peut-être pas assez, que vous aviez soulevé la dernière fois, et je n'ai pas trouvé le passage précis où Kripke répond à ça. Mais je crois que sa réponse est la suivante. Ce qui compte comme un nom propre, ça compte comme un nom propre relativement à une situation et à une communauté de locuteurs. D'accord ? Donc, si on dit même Alexandre dans la situation dans laquelle on est maintenant, on n'a même pas besoin de préciser du commun. Il n'y a qu'un Alexandre, donc on sait tous de qui on parle. D'accord ? Donc, Alexandre, dans ce contexte, entre nous maintenant, les 17 personnes qui suivent ce cours en ligne, c'est un nom propre. Okay ? Et ça attrape une à une seule personne à travers tous les mondes possibles dont on peut parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux Alexandres ? On peut préciser, je parle de Alexandre du commun, ou on peut dire, je parle d'Alexandre et préciser quelque chose au sujet d'Alexandre. Quand vous faites ça, dirait Kripke, ce que vous faites, c'est vous faites ce qu'il va appeler un peu plus tard, et je vais vous anticiper sur un des points de sa théorie important, ce que vous faites, c'est un baptême, en fait. Qu'est-ce que c'est l'origine ? D'où vient un nom propre ? D'où vient le fait qu'un nom propre s'attache à une personne pour Kripke ? C'est que vous faites un baptême. Alors, le baptême, ça a des fois très juste, ça a lieu plutôt au moment de la naissance d'un individu, quand vous remplissez la forme de l'état, le formulaire de l'état civil, où vous dites « cette petite fille s'appellera Noémie ». Ok, là, c'est une forme de baptême. Ça peut être un baptême plus cérémonial. Vous dites « dorénavant, cette… » Mais ça peut être aussi, c'est un terme un peu technique, la manière dont Kripke utilise baptême, exactement la situation que vous venez de décrire, dans laquelle on se dit « oh, attends, quel Alexandre ?» Ah non, par Alexandre, dorénavant, j'entends la personne qui est là-bas et pas l'autre. Okay. Ça, c'est un baptême. On est en train de fixer la référence d'un terme. Et une fois qu'on l'a fixé, maintenant, ça devient un désignateur rigide. Ok, merci. Je vais revenir sur les baptêmes tout à l'heure. Si jamais ce n'est pas clair, vous pourrez insister. Michael. Okay. Oui, merci. Juste pour reprendre la question de Charles, au même titre que... quand on dit « ici, maintenant, Olivier Massin, on réfère à vous et votre personne dans les autres mondes possibles, même si vous n'avez pas le même nom », si on dit maintenant, avec une description définie, le professeur de philosophie du langage, enfin, qui donne le cours de philosophie du langage à l'Université de Neuchâtel, on isole la même personne dans les autres mondes possibles, même si elle n'a pas la même fonction. La personne qui donne la philosophie... Attendez, redites la description que vous utilisez. C'est la personne qui donne... Le cours de philosophie du langage à l'Université de Neuchâtel. Là, on vous isole, vous, dans notre monde, maintenant, au même titre que si on utilise votre nom, Olivier Massin, et ça référerait à la même personne dans d'autres mondes possibles, indépendamment de votre prénom, comme de votre fonction qui pourrait être différente. Oui, c'est bien. Alors, deux choses. La première chose... Kripke admet qu'il y a des descriptions rigides. Et vous avez vu que j'ai mis une parenthèse ici qui n'est pas anodine. Les descriptions sont souvent des désignateurs non rigides. Donc, je vais revenir là-dessus. Il admet qu'il y a des descriptions qui sont rigides. Et je vous donnerai des exemples encore plus clairs qu'un exemple, enfin, celui de Kripke qui est encore plus clair que celui que vous donnez là. Quant à votre exemple, vous dites « le professeur de philosophie du langage à Neuchâtel en 2020 ». Si vous dites juste ça, ça n'attrape pas la même personne à travers tous les mondes possibles. Je vois bien où vous voulez en venir, mais maintenant vous vous mettez dans. Il y a un monde possible dans lequel le professeur de philosophie du langage à Neuchâtel en 2020, c'est Donald Trump. D'accord ? Donc cette description-là que vous avez donnée, elle,
elle n'est pas rigide. Si vous voulez rigidifier cette description, il faut dire quelque chose du type « Le professeur de philosophie à Neuchâtel en 2020, dans le monde actuel, ici et maintenant. » D'accord ? Donc, il faut utiliser une expression indexicale qui pointe vers moi, en gros. Hein, dire « celui-là ». Okay. Celui-là qui est le professeur de blabla, alors là, effectivement, vous pouvez rigidifier la description et parler et faire en sorte que cette description parle de la même personne à travers les mondes possibles. Mais le fait que vous deviez introduire un terme indexical, dans le monde actuel, c'est un terme indexical, hein, c'est comme un peu ici, hein, vous êtes dans plein de mondes possibles, puis vous dites « moi, je suis là », ou cette personne-là, ce n'est pas complètement anodin. D'accord ? La description, juste avec des termes généraux que vous avez proposés, elle reste non rigide, je crois. Le professeur de philosophie à Neuchâtel en 2020, tant que vous pouvez continuer autant que vous voulez là-dessus, hein, avec des cheveux bruns et trop longs, avec, pendant la pandémie, tout ça, vous pouvez préciser, et ben, tout ça, vous trouverez toujours un monde possible dans lequel ce n'est pas moi, quoi. Que vous aurez un autre énergumène avec qui satisfait tout ça, brun, professeur de philosophie, cheveux trop longs, pendant la pandémie, et ce n'est pas Olivier Massin. Ben, je vous entends et je pense qu'on se comprend, mais j'ai l'impression que c'est suffisant parce que, bien sûr, que si on a juste l'expression « le professeur de philosophie du langage de l'Université de Neuchâtel » dans un autre monde, ce sera quelqu'un d'autre, mais au même titre que quand on dit « maintenant Olivier Massin », ça réfère à vous et ça se dirige vers vous, vers votre personne dans les autres mondes possibles. C'est le même processus si on dit, sans ajouter de précision pour rigidifier l'expression, le professeur de philosophie du langage de l'Université de Neuchâtel, c'est vous et ça réfère à votre personne dans d'autres mondes possibles, même si cette expression va concerner quelqu'un d'autre dans d'autres mondes possibles. Au même titre que le prénom, le nom, Olivier Massin, sera attribué à d'autres personnes dans d'autres mondes possibles. Peut-être que je vous comprends mal. Peut-être un phénomène que vous avez en tête, c'est le phénomène dans lequel des descriptions deviennent des noms. Qu'est-ce qu'on a comme exemple Ah, il y a des exemples que ça, dans le Kripke, qui ne me reviennent pas. Mais peut-être qu'à force de dire, à force de dire le professeur de philosophie du langage pour me désigner moi, supposons que ça devienne une forme de blague ou de convention en disant ah ben on est tous là, il y a Charles, il y a Michael, il y a Émile, il y a le professeur de philosophie du langage, hey, salut le professeur de philosophie du langage, vous voulez bien me passer le sel, etc. Au bout d'un moment, cette expression, le professeur de philosophie du langage, elle peut devenir un nom. Oui, un exemple, c'est, si, je crois que j'en ai parlé déjà en fait, il me semble l'avoir mis dans une diapo pour peut-être dans un autre contexte. Si vous utilisez l'hexagone, c'est souvent l'expression avec laquelle on désigne la France. Au départ, c'est une description, l'hexagone, hein, c'est parce que la France, en gros, rentre dans un hexagone. Mais c'est devenu un nom. Hein. C'est une description qui est devenue un nom. Donc, peut-être que ce à quoi vous pensez, c'est ce cas de figure un peu particulier où des choses qui sont initialement comme des descriptions, de par leur usage, deviennent effectivement des noms propres. C'est pas ça que j'avais à l'esprit, mais c'est pas grave. Si je dois résumer en une phrase, j'ai l'impression que à partir du moment où on prend en compte le fait qu'on est à un endroit, à un moment donné, avec un certain nombre de personnes, et qu'on se comprend et qu'on sait de qui on parle, qu'on dise Olivier Massin, là maintenant dans notre cas, ou le professeur de philosophie du langage de l'Université de Neuchâtel, ça saisit la même personne qu'on pourra retrouver dans d'autres mondes possibles, quel que soit son nom ou sa fonction. Alors, ok, il est vrai que dans plusieurs mondes possibles, je serai toujours le professeur de philosophie du langage. Mais le point de Kripke... Mais justement, si vous ne l'êtes plus, quand on a dit maintenant le professeur de philosophie du langage de l'Université de Neuchâtel, ça vous saisit, vous, qu'on va pouvoir pointer dans d'autres mondes possibles, même si vous n'avez plus cette fonction-là, comme on le fait en disant Olivier Massin. Parce qu'on se réfère à vous, on désigne votre personne, indépendamment de votre nom ou de votre fonction. Ah, peut-être vous avez en tête Donnellan ici avec l'usage référentiel des descriptions, c'est ça ?
Oui, je pense qu'on pourrait. Oui, oui, ça c'est possible. Peut-être je ferai un point sur Donnellan et Kripke la prochaine fois. Parce qu'il faut que je rassemble mes idées. Kripke a une critique un peu. On a vu déjà un peu la critique de Kripke de Donnellan, mais ce que je ne vous ai pas présenté, c'est qu'il y a un point dans lequel un passage dans lequel il présente en quoi est-ce qu'il est d'accord avec Donnellan. Mais peut-être juste pour dire ce qui tient à cœur à Kripke. Ce qui tient à cœur à Kripke ici, c'est que même si on parle juste de notre petite communauté des 17 locuteurs ici, on peut comprendre et on peut penser à la possibilité dans laquelle on peut faire sens de l'énoncé suivant. Le professeur de philosophie du langage aurait pu ne pas être Olivier Massin. Ou inversement, c'est un jugement d'identité, de différence. Olivier Massin aurait pu ne pas être le professeur de philosophie du langage. Si Olivier Massin est le professeur de philosophie du langage, désigne le même individu dans tous les mondes possibles, ce genre de jugement, il devrait être dénué de sens. Vous voyez ? Parce que qu'est-ce que c'est que ce jugement ? Olivier Massin aurait pu ne pas être le professeur de philosophie du langage. Ça montre que Olivier Massin, ça attrape quelqu'un. Le professeur de philosophie du langage, ça attrape quelqu'un d'autre, dans au moins un des mondes possibles. Okay ? Donc, du moment qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est ça l'idée de Kripke. Hein. Donc, il y a effectivement un problème avec l'usage référentiel et descriptif des descriptions de Donnellan. Là, on utilise toujours un usage descriptif dans l'optique de Kripke. Et son idée, c'est vraiment de dire l'usage descriptif des descriptions, c'est toujours non rigide. Et pourquoi ? Mais parce que ça, on peut parfaitement faire sens de cette possibilité-là, qu'Olivier Massin n'ait pas été le professeur de philosophie du langage. OK. Pardon, Michael, si j'ai raté le point. N'hésitez pas à revenir sur le forum s'il y a des... s'il y a des questions qui restent, et je vous promets d'essayer d'y répondre rapidement, on va essayer d'avancer un peu parce que on a encore du pain sur la planche. Alors, donc ça c'est la théorie de Kripke, pour vous le redire. Oh, je suis toujours dans le rappel décidément, mais c'est très bien d'avoir des questions. D'un autre côté, Daniel Schultes, c'est un nom propre, ce que vous avez les ronds, c'est des mondes possibles, ça désigne la même personne dans tous les mondes possibles. Le vice-recteur à l'enseignement, c'est une description définie, ça désigne pas la même personne dans tous les mondes possibles. Il y a des mondes possibles dans lesquels le vice-recteur à l'enseignement, c'est Audrey Hepburn. Il y a des mondes possibles dans lesquels c'est Michael Jordan, etc. Donc, ça, c'est la proposition de Kripke. Ça, c'est une redite. OK. J'avance enfin. Pardon, ce n'est pas une lamentation. Je suis ravi de mon côté quand vous posez des questions. Alors, vous vous souvenez que un des avantages de la théorie descriptive, c'est qu'elle permet bien de comprendre comment une toute petite suite de signes linguistiques qui ne contient pas beaucoup d'informations permet d'attraper un et un seul individu qui a parfois vécu des milliers d'années auparavant et qui fait partie d'un ensemble de milliards d'individus. Okay, si je dis Aristote, c'est magique, juste avec ce mot-là, j'attrape une et une seule personne. Une forme d'étonnement qu'on peut avoir et qu'il faut avoir par rapport à ça. Comment ça peut marcher que cette suite de quelques lettres attrape parmi des milliards de possibilités une et une seule personne ? Et ce n'est même pas les personnes, parce que si vous incluez les objets, etc., c'est comment se fait-il que ça marche ? Et le gros avantage sur le papier de la théorie descriptive que conteste Kripke, c'est de dire, oui, mais la raison, c'est que Aristote, en fait, implicitement, il y a plein d'informations contenues dans Aristote. Il y a tout un tas de descriptions, le meilleur élève de Platon, l'auteur de l'éthique à Nicomaque, etc. Et c'est pour ça que Aristote peut attraper une et une seule personne. Alors ça, c'est le problème numéro un si vous admettez une théorie de la référence directe comme Kripke. Hein ? Comment se fait-il que ce petit mot, cette suite de quelques lettres, attrape un objet parmi des milliards d'autres ? La réponse de Kripke, ça va être de développer ce qu'il appelle une théorie causale de la référence. Alors, il nous met bien en garde sur le fait que ce n'est pas une théorie, c'est plutôt une esquisse, une image, dit-il, de théorie. Donc, c'est très bref ce qu'il nous présente, mais il dit, voilà comment je pense que les choses marchent en gros. Et ça revient à la question de Fanny tout à l'heure. Comment ça commence, cette histoire-là ? Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, on parle d'Aristote et que... On parle d'un et d'un seul individu. Ben, ça commence par un baptême. Qu'est-ce que c'est qu'un baptême ? Bon, ça peut être des fois un vrai baptême, quand je faisais allusion tout à l'heure, le baptême religieux, le baptême à l'état civil, mais c'est un moment auquel on va attribuer un nom à une chose. Il n'y a pas besoin d'être 100 000, parfois on peut être que 2, on peut être que 3, 4, 5, c'est pas grave, on attribue un nom à une chose. On peut le faire de deux manières, dit Kripke, on peut le faire par ostentation.
C'est-à-dire on peut pointer un individu du doigt et en disant « cette petite fille s'appellera Julie, tu t'appelleras Julie, blablabla », ou on peut le faire par description en disant par exemple « Julie sera le nom de la future fille de Paul okay ». Ça, ce n'est pas important au départ. Ça peut avoir une importance, mais il y a deux manières de baptiser un objet. Soit en le montrant, en lui disant « dorénavant, il s'appelle blabla », soit en disant, en le donnant descriptivement. Ça, c'est le baptême. Et comment se passe ensuite le transfert de ce nom ? Ce que dit Kripke, c'est assez bref, mais assez plausible en un sens, c'est qu'on a des transferts de référence. Donc, Marc entend Paul parler de Julie, où vous recevez un faire-part de naissance, typiquement. Nous avons reçu une petite, sommes heureux, très heureux d'accueillir notre petite Julie. Et par là, vous apprenez que Julie, ça réfère au nom de Marc et Noémie. Et puis de proche en proche, ce nom-là, il voyage dans une communauté de locuteurs. D'accord ? Tout le monde sait maintenant que Julie, c'est la fille de Marc et Noémie. Et on continue comme ça, et ça peut s'étendre à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. D'accord ? Donc, c'est des choses qui peuvent aller très très loin. Tout ça parce qu'il y a eu un baptême, premièrement, et deuxième étape, des transferts de référence. Ce qui est très important dans ce processus que Kripke appelle la théorie causale de la référence, c'est que c'est un processus dans lequel vous voyez que vous n'avez pas de description pour fixer le sens du nom. Vous avez bien dans le baptême une description pour fixer la référence au départ, pour dire de qui on parle. Ah, je vous parle de la personne à côté là-bas. Ouais, elle, dorénavant, on va l'appeler Jean-Claude. Ça, vous avez fixé la référence à l'aide d'une description. Mais une fois que vous avez fixé la référence et que vous donnez le nom Jean-Claude, vous n'avez plus besoin de la description. D'accord ? Le nom Jean-Claude, il est attaché à la personne là-bas comme une étiquette sur sa tête, ce que je vous disais pour John Stuart Mill. Et le nom, il n'est pas essentiellement associé à une description. D'accord ? Vous avez éventuellement besoin d'une description pour désambiguiser au départ ce dont vous parlez, mais une fois que vous l'avez fait, plus besoin de description. Le nom est directement attaché à la chose et ça voyage entre les locuteurs. D'accord ? Donc, il n'y a pas beaucoup plus dans la théorie causale de la référence de Kripke de ce que je vous dis là. C'est quelque chose d'assez simple, mais d'assez naturel en un sens. Si vous vous demandez juste, vous pensez juste au faire-part de naissance, ça vous donne une idée assez juste de ce qui se passe pour les noms d'après Kripke. Ok, laissez-moi vous lire cette citation un peu longue après avoir répondu à Grégoire. Grégoire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport à ça, c'est les cas où moi je parle de Julie, la fille de Paul, et puis mon interlocuteur pense que je parle de Julie, la fille de Jean-Marc. Comment est-ce que Kripke répond à ce genre de situation ? Oui, alors Kripke, il répond. C'est pour ça que dans les baptêmes, il introduit aussi la possibilité d'identifier par description. C'est très rare d'avoir un démonstratif en disant ce sera Julie. Parce que souvent, le elle, c'est ambigu. Il y a d'autres bébés aux alentours, donc il faut préciser. Okay, donc il y a un problème de désambiguiser le baptême. Au moment du baptême, souvent vous faites appel à la description et souvent vous faites un peu les deux. Cette personne là-bas qui est avec les cheveux rouges, on l'appellera, je ne sais pas comment. Donc ça c'est le premier élément de réponse à votre question. Si votre question porte sur le baptême, au moment du baptême lui-même, vous pouvez faire intervenir la description pour, et ça c'est une expression célèbre de Kripke, pour fixer la référence. D'accord, on fixe la référence à l'aide d'une description. Ça nous permet de savoir de quoi on parle. Mais une fois que c'est fait, c'est bon, on n'a plus besoin de cette description. C'était juste pour être d'accord sur de qui on parle. Ensuite, l'autre aspect de votre question, c'est l'aspect de la question de Fanny. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs individus qui s'appellent Julie ? Okay ? Et là, je pense, mais encore une fois, je veux être prudent là-dessus parce que je n'ai pas trouvé la réponse officielle de Kripke, mais je pense que son idée, c'est que dans un contexte et dans une communauté de locuteurs, en général, Julie va être un nom propre. Et quand Julie n'est pas un nom propre, quand il y a deux Julie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un nouveau baptême. D'accord ? On va se mettre d'accord sur le fait que « Ah, Julie, par Julie, j'entends la petite fille blonde là-bas. » Et puis Julie étoile, on va dire plutôt la grande fille brune. Okay ?
Donc, s'il y a une ambiguïté dans les noms, on doit rebaptiser. Et c'est, le baptême, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui attache une fois et pour toujours un nom à une chose. D'accord ? Ça, les exemples d'Aristote, ça donne cette impression d'un attachement intertemporel rigide qui ne peut pas être modifié. Non, il y a des modifications. Comme disait Charles Albert tout à l'heure, le nom Aristote, c'est aussi ce que dit Kripke, le nom Aristote, il a changé d'écriture, de prononciation, etc. Ce qui est important, c'est qu'au sein d'une communauté de locuteurs, on est baptisé et qu'on se soit mis d'accord pour utiliser le nom tel que conformément au baptême. Et le baptême a pu se produire au moment de la naissance de la personne, mais il a pu se reproduire après. Il a pu être rebaptisé parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Il y a des pays de... j'ai un postdoc aujourd'hui que vous rencontrerez, peut-être Juan Pablo Bermudez, qui est colombien. Et je lui ai dit, est-ce que je peux t'appeler Juan ? Est-ce que, et sa réponse, c'est de dire, ben non, ça me dérange pas, mais on s'appelle tous Juan chez moi. Donc, il y a la moitié de la ville qui s'appelle Juan. C'est pas du tout, c'est pas un nom propre. Donc, il faut préciser après, au moins, la suite du nom, la suite du prénom, et parfois jusqu'au nom propre. Mais tout ça, c'est des formes de nouveaux baptêmes. Je pense que c'est la meilleure réponse que peut donner Kripke ici. Des fois, on rebaptise pour être sûr d'avoir des noms propres. Et le rebaptême, pour ainsi dire, il peut avoir lieu très longtemps après le baptême initial. D'accord ? Et il peut dépendre du contexte et du fait qu'on s'entend. Il peut juste défendre, si jamais il y a un nouvel étudiant de philosophie qui arrive, grand bien lui fasse, et qui rejoigne le cours, qui s'appelle Alexandre, eh ben, peut-être on peut se mettre d'accord pour rebaptiser un des deux Alexandre. Ou pour dire dorénavant, on va dire Alexandre du commun, et puis Alexandre Dupont, pour l'autre Alexandre, on va utiliser leur nom propre pour être sûr de n'en capturer qu'un. D'accord, ok, merci beaucoup. Bien, alors, je vais vous laisser lire ceci. Non, il faut quand même que je vous lise parce que je... Ok, laissez-moi vous lire ça rapidement. The picture which leads to the cluster of description theory is something like this. Donc là, l'image qui conduit à la théorie descriptive est quelque chose comme ceci, et puis je traduis plus ensuite. One is isolated in a room, the entire community of other speakers, everything else, could disappear. And one determines the reference for himself by saying, by Godel, I shall mean the man, whoever he is, who proved the incompleteness of arithmetic. Now you can do this if you want to. There is nothing really preventing it. You can just stick to that determination. If that's what you do, then if Schmidt discovered the incompleteness of arithmetic, you do refer to him when you say Godel did such and such. Donc l'idée, c'est si vous êtes un partisan de la théorie descriptive, vous êtes tout seul dans une pièce, et vous dites, dorénavant, j'appellerai Gödel qui que ce soit qui ait prouvé l'incomplétude de l'arithmétique. Il s'avère qu'en fait, ce n'est pas Gödel, mais c'est Schmidt qui a découvert la complétude de l'arithmétique. Et bien, à ce moment-là, votre thèse, ça va être que, et bien, en réalité, Schmidt, c'est Gödel. Okay, c'est possible, dit Kripke. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas inconsistant. Et là, il poursuit, but that's not what most of us do. Mais ce n'est pas la chose que nous, on fait. Et là, il présente sa théorie causale. Someone, let's say a baby is born. His parents call him by a certain name. They talk about him to their friends. Other people meet him. Through various sorts of talk, the name is spread from link to link as if by a chain. A speaker who is on the far end of this chain, who has heard about, said, Richard Feynman, is in the marketplace or elsewhere, maybe referring to Richard Feynman, even so he can't remember from whom he first heard of Feynman or from whom he ever heard of Feynman. He knows that Feynman is a famous physicist. A certain passage of communication reaching ultimately to the man himself does reach the speaker. Alors, je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est que dit Frege ici? Comment vous avez après utilisé Richard Feynman, si vous l'avez déjà utilisé? C'est un physiciste connu, un physicien connu. Un physicien connu qui a la propriété, c'est bien choisi, de Kripke. Tout le monde sait que c'est un très bon physicien, mais en général, les gens ne sont pas capables de dire ce qu'il a inventé, pourquoi c'est un bon physicien. C'était aussi un très bon vulgarisateur. Il a un manuel de physique, plusieurs manuels de physique célèbres.
Donc, on n'est pas capable de dire vraiment qu'est-ce que c'est que lui, il a apporté. Il n'y a pas la description unique. On associe bien des propriétés à Richard Feynman, mais pas une description définie. Comment ça se fait à ce moment-là que Richard Feynman, ce nom ne s'attache qu'à une seule personne? Eh bien, les Kripke, c'est juste qu'on est dans une chaîne causale de transmission de référence. Il y a ses parents qui l'ont baptisé Richard. Il a hérité du nom Feynman de son père, vraisemblablement. Et puis nous, on est au bout de cette chaîne causale et on continue à utiliser le nom de cette manière-là. Donc, même si on n'a pas de description associée à Richard Feynman, on sait qu'on parle d'une et une seule personne. Et je vous laisserai lire la fin de cette citation importante. Je crois que j'en ai mis une autre ensuite. It is in virtue of our connection with other speakers in the community, going back to the referent himself, that we refer to a certain man. In general, our reference depends not just on what we think ourselves, but on other people in the community, the history of how the name reached one and things like that. It is by following such a history that one gets to the reference. Donc, une idée de Kripke ici, c'est comment se fait-il qu'un nom réfère à la personne qu'il réfère? Pas parce que vous lui associez, vous, subjectivement, une description ou un sens, mais parce que vous faites partie d'une communauté de locuteurs qui emploie ce nom de la même façon et que vous avez hérité l'usage et la signification de ce nom, ultimement, des personnes qui ont donné le baptême à la personne ou à la chose en question. Bien, alors ça, ce sont les deux aspects positifs de la théorie de Kripke. L'idée que les noms sont des désignateurs rigides, contrairement aux descriptions, qui sont en général non rigides, et d'autre part, l'idée que ce qui explique qu'un nom porte sur une et une seule personne, c'est cette théorie causale de la référence. Il y a eu un baptême et ça s'est transmis dans une communauté linguistique. Alors, on va voir maintenant un certain nombre d'objections à Kripke. J'avais prévu trop pour aujourd'hui, et on verra la prochaine fois les implications de la théorie de Kripke qui sont très importantes et qui peut-être, si jamais vous êtes un peu découragé et que tout ça vous semble un peu rébarbatif, vous donneront envie de vous accrocher parce que c'est des choses qui ont une grande influence en philosophie, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, une objection naturelle, je pensais que vous l'auriez soulevé avant, vous avez soulevé de très bonnes questions, mais celle-ci n'est pas venue. Quand je vous ai présenté la théorie des descriptions définies de Russell, la chose que je vous ai dit spontanément, c'est de dire la description qui est associée à Aristote, c'est pas compliqué. Aristote, c'est pas un nom propre, c'est une description définie. Qu'est-ce que c'est la description définie? C'est l'homme qu'on appelle Aristote. C'est une chose assez naturelle. Kripke, lui, s'attache à des descriptions définies du type l'auteur du De Anima ou le meilleur élève de Platon, mais en fait on pourrait juste dire quelque chose. Qui c'est Aristote? C'est l'homme qui porte le nom Aristote. Si vous acceptez, excusez-moi deux secondes, si vous acceptez cette théorie descriptive, vous répondez à toutes les objections de Kripke. C'est magique. Donc Kripke dit, c'est pas le cas que pour tous les noms propres, on dispose d'une description définie. Maintenant, je vous ai parlé de Buffon et d'Aubenton. Pour Buffon, vous disposez d'une description définie. L'homme qui s'appelait Buffon, l'unique homme qui s'appelait Buffon, l'homme unique qui s'appelait d'Aubenton, l'homme unique qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle théorie ces gens ont inventé ou quel but ils ont marqué. Vous savez juste qu'il y en a qu'un qui porte ce nom. Okay ? Donc c'est très beau comme solution. Vous ne pouvez pas faire d'erreur d'identification. Okay ? L'homme qui s'appelle Aristote, ça ne peut pas être Xénocrate. Okay ? Ça peut être que Aristote. Donc, vous répondez à l'objection de Kripke à la troisième clause de la théorie descriptive. Évidemment que si personne ne s'appelle Gargamel, alors Gargamel ne réfère pas. Ça, c'est évident. Kripke dit les descriptions, on ne les connaît pas de manière a priori qui sont associées au nom. En tout cas, les descriptions qui nous permettent d'identifier le référent. Mais en fait, le fait qu'Aristote est l'individu qui porte le nom Aristote, vraisemblablement, vous connaissez ça de manière a priori. D'accord ? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Si vous rentrez au cours de philosophie, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Ah, j'ai appris qu'Aristote s'appelait Aristote. Non, manifestement, vous pouviez le savoir sans qu'on vous apporte un quelconque élément d'information.
Et le fait que Aristote s'appelle Aristote, ben, une fois qu'Aristote a été baptisé, en tout cas, c'est bien une vérité nécessaire. Donc, a priori, cette théorie très simple, qui consiste juste à retenir la théorie descriptive et à dire qu'est-ce que c'est que la description associée à un nom, c'est la description qui nous dit Aristote, ça réfère à la personne qui satisfait la description suivante, à savoir s'appeler Aristote. Ben, ça, c'est une théorie très simple, un peu triviale, mais qui a l'air de surmonter la plupart des objections que fait Kripke à la théorie descriptive. Alors, moi j'appelle ça j'ai appelé ça ici, je crois, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, quelle est la réponse de Kripke à cette théorie, cette jolie petite théorie? Autrement dit, je vous redis un coup la théorie parce que je vois qu'il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, la théorie, c'est plutôt que d'identifier Aristote à le meilleur élève de Platon, okay, cette description-là, on identifie Aristote à, enfin, on dit que le nom Aristote est synonyme de la personne qui s'appelle Aristote. Et c'est tout. Et une fois que vous avez ça, vous contrez un grand nombre des objections de Kripke, si ce n'est toutes. Quelle est la réponse de Kripke? C'est une objection que je mentionne parce que c'est une objection que Kripke lui-même théorise. Enfin, anticipe et répond à laquelle il répond par anticipation. Kripke dit, ouais, c'est très bien, ça peut marcher, mais c'est complètement circulaire. Et pourquoi c'est circulaire? Parce que votre théorie, elle fait appel dans la description au terme appelé, au terme nommé. D'accord? On veut comprendre ce que c'est pour le nom Aristote que de référer à la personne Aristote. Si vous dites ce que c'est pour le nom de référer à la personne Aristote, c'est que Aristote signifie simplement la personne qui s'appelle Aristote, vous avez utilisé la relation de nommer ou d'appeler dans votre théorie de la nomination ou de l'appellation elle-même. Ça revient à dire, Kripke, ça revient à dire Aristote, ça réfère à quoi? Ben, ça réfère à quoi Aristote réfère. D'accord? Donc, c'est quelque chose de totalement circulaire. Vous avez juste fait appel à la chose même que vous vouliez expliquer, à savoir la nomination, naming. Voici ce que dit Kripke là-dessus. Obviously, if the only descriptive senses of names we can think of are of the form the man called such and such, the man called Walter Scott, the man called Socrates, then whatever this relation of calling is really what determines the reference and not any description like the man called Socrates. Donc, si vraiment les seules descriptions qu'on peut associer au nom sont des descriptions du type la personne qui s'appelle blablabla, alors c'est pas vraiment la description qui fait le travail de la référence comme le voudrait la théorie descriptive, mais c'est vraiment calling, cette relation de appeler, ok? Et ça, c'est justement ce qu'on veut expliquer. Alors, j'aurais pu faire ça. Deux petites secondes. Bien, alors deuxième objection qui est anticipée par Aristote. Excusez-moi, j'ai perdu vos mains. Ah, je suis où là? Voilà. Deuxième objection, et on en a touché un mot tout à l'heure qui est anticipé par Kripke, pas par Aristote, pardon. Il y a des descriptions qui réfèrent de manière rigide. C'était Michael qui a évoqué ça tout à l'heure dans une question, je crois me souvenir. L'exemple que donne Kripke, c'est prenez la description « le successeur de 5 ». Ça, c'est bien une description, ce n'est pas un nom. Hein. Vous dites l'entité unique qui est le successeur de 5. Et bien ça réfère évidemment au nombre 6. Mais la chose qui apparemment est une objection pour Kripke, c'est que ça réfère au nombre 6 dans tous les mondes possibles, et pas simplement ici. Vous n'avez pas un monde possible dans lequel le successeur de 5, c'est 4, 7 ou 23. Donc, le successeur de 5, ça, c'est une description définie, et c'est un désignateur rigide. D'accord ? Je laisse tomber le père de Julie. Donc, est-ce que ça c'est pas une objection à la théorie de Kripke qui dit que la marque des noms, c'est la rigidité, et la marque des descriptions, c'est la non-rigidité? La réponse de Kripke à cette proposition, elle est intéressante, c'est la suivante.
c'est d'accorder qu'il y a des descriptions rigides, hein, qu'on peut bien utiliser une description, enfin, non, qu'il y a des descriptions qui réfèrent au même individu dans tous les mondes possibles, mais, insiste Kripke, la rigidité de ces descriptions, autrement dit, le fait qu'elles réfèrent toujours au même individu, ça ne vient pas des propriétés sémantiques de ces descriptions, ça ne vient pas de l'expression, le successeur de 4, mais ça vient de faits du monde, ça vient de, ce dont, de la nature de ce dont parlent les descriptions. Ici, la nature des objets mathématiques. Okay, le fait que le successeur de 4, ça réfère à 5 dans tous les mondes possibles, ça ne vient pas de l'expression linguistique, le successeur de 4, ça vient de la nature des nombres et de la succession mathématique. Okay, donc ça, c'est ce que Kripke appelle une rigidité pardon, de facto. De fait, ces descriptions-là sont rigides, mais ce qui est propre au nom et qui n'est pas partagé par les descriptions, c'est que la rigidité des noms, c'est une rigidité qui est des jurés, dit Kripke. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la raison pour laquelle les noms sont rigides réfère toujours aux mêmes personnes, ça ne vient pas de la nature des personnes en question, mais ça vient de la nature de ce qu'est un nom. D'accord? Donc, il y a deux types d'expressions rigides. Il y a des expressions qui réfèrent toujours aux mêmes choses en vertu de la nature de ces choses. Okay? Ça, c'est une rigidité de facto. Mais il y a aussi des expressions qui réfèrent toujours aux mêmes choses en vertu de la nature de ces expressions elles-mêmes. Et ça, c'est ce que Kripke appelle la rigidité des jurés. Hein? Et c'est ça la vraie rigidité des noms. Ok, laissez-moi aborder. On va laisser. Oui, Grégoire. J'ai une question. C'est quoi la différence entre de facto et de jure? Il y a deux. Donc, l'objection, c'est la suivante. Prenez l'expression le successeur de 4. Ça, c'est une description définie, mais elle est rigide. Elle réfère à 5 dans tous les mondes possibles. Objection à Kripke, tu n'as pas découvert quelque chose de... ton concept de rigidité, ce n'est pas une marque de la nomination, comme tu sembles vouloir le dire, mais c'est en fait une marque un peu plus générale qui s'attache aussi bien aux descriptions qu'aux nominations. Réponse de Kripke, non, il faut bien distinguer deux formes de rigidité, la rigidité de facto et la rigidité de jure. La rigidité de facto, elle est due au fait que... elle est due à la nature de ce dont on parle. Comment ça se fait que l'expression « le successeur de 4 » réfère à 5 dans tous les mondes possibles, ben ça, c'est dû à la nature des nombres, à la nature de 4, de 5 et de la succession des nombres entiers. D'accord ? Ça ne vient pas du langage, ça. Le fait que cette expression réfère à la même chose dans tous les mondes possibles, ça vient du monde, pour ainsi dire, de ce dont on parle, les nombres. Alors, les nombres, on n'a peut-être pas envie de les mettre dans le monde au même titre que les tables et les chats, mais c'est en tout cas les objets de notre discours. Donc, cette expression-là, dit Kripke, elle réfère bien toujours à 5 dans tous les mondes possibles, mais ce n'est pas à cause de l'expression elle-même, de ce que vous avez entre guillemets, le successeur de 4. C'est à cause de ce que c'est que 4, que ce que c'est que 5 et de ce que c'est que d'être après dans les relations mathématiques. En revanche, la raison pour laquelle... Donc, ça, c'est une rigidité de facto qui vient des faits dont on parle. La rigidité des jurés, comme dans le cas de Boris Johnson, qui réfère au même individu dans tous les mondes possibles. Qu'il ait été ou non Premier ministre, qu'il ait attrapé ou non le Covid, etc., qu'il soit mort à 2 ans ou pas, ça réfère toujours à la même personne. Mais ça, ce n'est pas dû à la nature de Boris Johnson, de la personne de Boris Johnson. C'est dû à la nature du nom en question. C'est dû à la nature ce que c'est qu'un nom. D'accord ? Donc ça, c'est ce que Kripke appelle une rigidité des jurés, une rigidité qui vient du langage lui-même plutôt que ce dont on parle dans le langage. Ça va mieux comme ça? Oui, d'accord, merci beaucoup. Bien. Alors, c'est ça, je vais passer. Il me reste 5 minutes. Oui, alors ça, on en a parlé tout à l'heure, mais ça me permet d'y revenir. Qu'est-ce qui se passe si dans un autre monde, les locuteurs utilisent Angelina Jolie pour désigner Margaret Thatcher? Ça, c'est un problème pour Kripke, semble-t-il, puisque Angelina Jolie, le nom Angelina Jolie, ne va plus être un désignateur rigide. Hein? Dans certains mondes, on va utiliser Angelina Jolie pour désigner Angelina Jolie, puis dans d'autres mondes, on va utiliser Angelina Jolie pour désigner Margaret Thatcher. La réponse de Kripke,
c'est que, étant donné la manière dont un nom est utilisé dans le monde actuel, ce nom réfère toujours aux mêmes individus dans les autres mondes. D'accord ? Donc, l'idée de Kripke, c'est pas que, une fois que nous, on a baptisé, qu'on a utilisé Angelina Jolie pour parler de telle actrice, ou ses parents plutôt ont fait ça, peut-être c'est un nom de spectacle, j'en sais rien, une fois qu'on a utilisé Angelina Jolie pour parler de telle personne, c'est pas qu'on exerce une contrainte sur tous les individus futurs et possibles qui ne pourront plus utiliser ce nom Angelina Jolie que pour parler de cette personne. Ça, ce serait bien évidemment une théorie absurde. Il peut bien y avoir dans un monde possible et peut-être dans le futur quelqu'un qui, ou une communauté de locuteurs qui décide d'utiliser Angelina Jolie pour parler d'un cheval, par exemple. Donc, c'est pas une contrainte, c'est pas une forme d'interdiction qu'on dit « Ah, je suis… » C'est pas comme réserver un nom de domaine sur Internet, si vous voulez. Vous dites « Maintenant, j'ai payé, il n'y a plus que moi qui y vais, plus personne a le droit d'utiliser ce nom ou cette marque, etc. » C'est pas du tout l'idée de Kripke. L'idée de Kripke, c'est juste nous, dans notre communauté de locuteurs, c'est ainsi qu'on a baptisé cette personne. On l'a baptisé Angelina Jolie, ce baptême a voyagé, etc. Donc, dans la manière dont nous, on utilise ce nom Angelina Jolie, on référera toujours à la même personne dans tous les mondes possibles. Okay ? Si vous imaginez un monde, on peut imaginer un monde dans lequel Angelina Jolie n'est pas actrice, mais maraîchère. Dans le monde où Angelina Jolie est maraîchère, c'est toujours Angelina Jolie. On parle toujours de la même personne et on l'appelle toujours de la même manière. Il se peut bien que dans ce monde-là, les personnes en question ne l'appellent pas Angelina Jolie, mais l'appellent Margaret Thatcher ou l'appellent Jean-Claude. Ce n'est pas ça qui est important. D'accord ? La rigidité, elle est toujours relative à l'usage du nom par une communauté de locuteurs. Bien. Et dernier point que j'ai fini mes objections. J'ai une question. Grégoire, c'est une question ou vous avez oublié de baisser la main ? Non, j'ai oublié de baisser la main, excusez-moi. Pas de souci. Aucun problème. Alors, dernière objection. Avant qu'on voit les enjeux de la théorie de Kripke la prochaine fois. Trois grands enjeux. Dernière objection, qu'est-ce qui se passe pour les noms qui n'ont pas de référent ? Il y a des mondes dans lesquels Angelina Jolie n'existe pas. Okay. Où elle est même pas née, c'est possible. Hein, on n'est pas des êtres nécessaires. Dieu est un être nécessaire, mais nous pas. On aurait bien pu ne pas exister. Et même Angelina Jolie aurait pu ne pas exister. Est-ce que ça c'est pas une objection à l'idée que Angelina Jolie, telle que nous on l'utilise, c'est un désignateur rigide. Si c'est un désignateur rigide, il doit référer à la même personne dans tous les mondes possibles. Or, il peut pas référer à Angelina Jolie dans les mondes où elle n'existe pas. Donc, c'est pas un désignateur rigide. C'est un désignateur qui tantôt réfère à Angelina Jolie, tantôt ne réfère à rien du tout. Qu'est-ce que Kripke fait avec ce problème ? Eh bien, il donne, là, c'est un peu étonnant, il donne deux réponses à différents endroits sans vraiment décider entre les deux. La première réponse, c'est de qualifier un peu sa thèse, c'est de dire que les noms propres réfèrent toujours aux mêmes personnes tant que ces personnes existent. Okay ? Donc, le nom Angelina Jolie, tel que nous l'employons, ça référera toujours à la même personne dans tous les mondes possibles où Angelina Jolie existe. Dans les mondes où Angelina Jolie n'existe pas, ce nom propre sera un terme sans référent. D'accord ? Donc ça, c'est affaiblir un petit peu sa thèse, dans le sens la restreindre, et dire que les noms ne sont rigides que dans les mondes où, que relativement au monde où la personne ou leur référent existe. Okay ? Et dans les mondes où leur référent n'existe pas, c'est pas quelque chose qui entre dans le contenu de la thèse en question. Donc, plutôt, on redéfinit la rigidité comme on restreint ce que c'est que la rigidité. Et un nom est rigide, non pas s'il réfère à la même chose dans tous les mondes possibles, mais s'il réfère à la même chose dans tous les mondes possibles où son référent existe. Première esquisse de réponse par Kripke. Deuxième esquisse de réponse, c'est de dire non, en fait, je maintiens ma thèse non modifiée, à savoir. Un nom est rigide si et seulement s'il réfère au même individu dans tous les mondes possibles, y compris les mondes possibles où il n'existe pas. Autrement dit, si vous êtes dans un monde où Angelina Jolie n'existe pas et vous utilisez le nom Angelina Jolie, comme nous on l'utilise, pardonnez-moi, vous ne référez pas à Angelina Jolie dans votre monde parce qu'elle n'existe pas, mais vous référez à une personne qui pourrait exister. Vous référez à une personne possible.
Donc peut-être qu'il y a des conséquences un peu maïnongiennes de cette deuxième proposition, parce que vous admettez qu'on puisse référer à des objets qui n'existent pas, mais qui pourraient exister. Okay. Ça, c'est ce que certains considèrent comme un coût ontologique. D'un autre côté, ça permet à Kripke de maintenir sa thèse de la rigidité, de ne pas la qualifier, de maintenir. Non, la rigidité, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un terme rigide? C'est un terme qui réfère à la même personne dans tous les mondes possibles, et pas seulement dans les mondes possibles où cette personne ou ce référent plus généralement existe. Ok, voilà pour clarifier un petit peu, enfin, j'espère que ce n'est pas vraiment des objections dans un sens fondamental à Kripke, c'est plutôt des objections qu'il soulève contre lui-même et auxquelles il répond de manière à préciser sa thèse. Alors, on reviendra sur vos questions en début de séance prochaine parce que j'ai été vite et j'en ai conscience sur la dernière partie. Ce qu'on terminera de voir la prochaine fois avant de passer à Kaplan, c'est différentes implications de la théorie de Kripke. L'identité à travers les mondes, je vous annonce juste le menu pour vous faire saliver pendant une petite semaine, et si vous voulez continuer à lire, comme ça vous savez un petit peu sur quoi vous attarder. Kripke, il y a une implication de sa théorie, c'est qu'on peut avoir le même individu à travers différents mondes possibles, littéralement le même, et ça c'est un grand enjeu en métaphysique. David Lewis est contre ça, il pense qu'on ne peut pas avoir le même individu à travers les mondes possibles. Ça c'est le premier enjeu de la thèse de Kripke. Deuxième enjeu des théories de Kripke, ce qu'on va appeler les vérités nécessaires a posteriori. On pensait avant Kripke que si on découvrait une nécessité, qu'on ne pouvait pas découvrir à proprement parler une nécessité, que toutes les vérités nécessaires elles étaient connues a priori. D'accord, donc c'était a posteriori sans accent d'ailleurs. C'était le travail du philosophe de découvrir des vérités nécessaires, mais les sciences naturelles ne pouvaient pas nous aider. Thèse de Kripke, non, qui découle de sa thèse sur la rigidité des noms, il y a des vérités nécessaires qui sont a posteriori. Si je dis l'eau est identique à H2O, d'après Kripke, c'est une vérité nécessaire et ça a été découvert en 1780. Donc, c'est une vérité nécessaire a posteriori. Donc, ça, c'est une grande révolution dans la pensée philosophique. Et troisième grande thèse de Kripke, et là-dessus, il va trouver un allié chez Hilary Putnam, on verra ça la prochaine fois, ce qu'on appelle l'externalisme sémantique, l'idée que ce à quoi réfère un nom, la signification d'un nom, on dit parfois la référence d'un nom, c'est un peu moins trompeur, ça ne dépend pas de ce que vous avez dans la tête, ça dépend de ce qu'il y a dans le monde. Donc, vous pouvez bien vous tromper au sujet de ce à quoi vous référez. D'accord ? Vous pouvez penser parler d'Aristote quand vous parlez d'Aristote, vous pouvez vous tromper au sujet d'Aristote. Vous pouvez croire à tort qu'Aristote est un grand philosophe alors que peut-être c'était un joueur de flûte. Mais même si vous vous trompez dans les descriptions que vous associez à Aristote, vous parlez néanmoins toujours de la même personne, d'Aristote. Donc, ce qui fait que votre nom réfère, ça ne dépend pas de ce que vous croyez au sujet du référent du nom, mais ça dépend uniquement du nom en question et de l'histoire causale de ce nom, comme on vient de le voir. On reviendra sur tout ça en détail. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des requêtes, des critiques, des perplexités? Lucas, oui. Ouais, une question assez rapide là. Peut-être c'est aussi parce que je n'avais pas compris. Mais est-ce que... Ah mais je ne me rappelle plus. Je suis désolé, j'aurais dû la noter. Désolé. je la mettrai sur le Moodle. Désolé. Mettez-la sur le Moodle et envoyez-moi le mail à chaque fois. Ibid pour... De même pour tout le monde, n'hésitez pas à utiliser le Moodle, c'est un bon vecteur d'échange pour ces choses-là. Bien, je ne vois aucune main qui se lève. Alors, ben, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Ça rend la chose un peu moins anonyme de mon point de vue quand vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression d'interagir un peu. C'est un drôle d'effet d'avoir l'impression de parler seul en étant... en étant écouté. J'ai l'impression que mes blagues sont toujours horriblement mauvaises. Essayez de rire un peu plus fort si vous pouvez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, pensez à lire les textes que je vous mets sur le forum entre-temps. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient fait. Continuez à le faire. C'est très utile pour la suite. Très bonne semaine à vous tous et à vous toutes.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.